Eh bien, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Life After. Épisode numéro 19. Et ouais, vous avez pu le voir, j'ai fait un petit peu de... En ce moment, il y a un peu de coupure. Vous le savez pourquoi, hein, toujours ce fichu 4G qui des fois fonctionne bien comme là tout de suite pendant le moment et des fois se barre un petit peu en sucette. Mais ce sera réglé d'ici le 28, puisque le 28 de ce mois-là, novembre, je passe à la fibre. Donc on n'aura plus ces soucis de connexion et je vais pouvoir streamer enfin comme je veux. Donc voilà, je voulais vous le dire en même temps en live et faire une petite partie en même temps. Hein. Elle risque d'être pas très longue celle-ci. Alors je sais pas combien de lives du coup on reverra entre deux. Entre le moment où j'aurai la fibre et peut-être qu'il y en a un ou deux peut-être. Alors, hop là, continuer. Bon, pour l'instant, ça a l'air de bien de maintenir. Après, combien de temps ça va tenir, je sais pas. Ouais, donc de 28 là, la fibre. Alors là, c'est terrible ça. Je vais pouvoir un peu pousser la qualité de mes lives. Et puis surtout en faire quand je veux. Sans craindre la connexion, sans. Bon, du coup, vous avez pu le voir sur le titre. Je vais essayer de vous faire voir une ou deux caisses qui se trouvent au greffeur et au plateau enneigé, qui permet des fois d'avoir du polymère ou du type polymère ou c'est pas tout le temps, hein, c'est assez aléatoire. Mais le vrai but du live était plutôt, j'ai envie de vous dire, le passage du manoir. Bon, tout a l'air d'être opérationnel, tout fonctionne, tout est vert pour le moment. Ça va bien. Petite cigarette détente et on est palpé. Allez. Du coup, j'ai pas fait grand chose depuis quelques améliorations dans la maison. Tenue. Vous avez vu, j'ai craft le masque qui va bien avec la combi. En bas, bon, bah rien. Ouais, oui. J'ai fait un peu de rangement parce que la dernière fois, je sais pas si vous vous rappelez dans l'ancien live où on parlait un peu de rangement qui est un petit peu des fois bordélique et même avec ma team. Hein, dont je ne citerai pas le nom de mon collègue Dan, hein, qui m'avait dit que c'était un peu fouillis. Donc voilà, donc vous avez vu, bah là, j'essaie vraiment de rectifier. Voyez, Malachite, c'est vraiment ce qui est écrit dans les coffres d'hiver. Comme ça, s'il y a plusieurs choses dedans, on ne passe pas pour un con, tout simplement. On va dire ça comme ça. Donc Dan, comme tu peux regarder, tu peux le constater, les coffres sont vraiment bien rangés. Pierre, tout bien différencié. J'en ai même mis dans les WC. C'est pour te dire. Ok, je vais te faire voir. On va aller faire un tour dans les toilettes. Voilà. Regarde, il y a les os, il y a la vigne, il y a le silex, il y a tout ce qu'il faut. Ok. Bon, aujourd'hui, j'ai pas beaucoup avancé sur mes missions. J'ai eu pas mal de petites choses à faire. Donc un peu de retard depuis. Bah aujourd'hui, hier d'ailleurs. Hein. Il n'y a pas qu'aujourd'hui. Hier aussi, j'ai eu un peu de retard. Donc du coup, je vais aller regarder mes quotidiennes. Mais si je ne me trompe pas, je n'ai fait que greffeur. Et quelle heure d'ailleurs là. On va la regarder. Est-ce qu'on peut manger à cette heure-là? Il est. Ouais, ça va être l'heure de manger. On va déjà aller commencer par ça. Et on se finira, bien entendu, par le passage du manoir. Alors, j'ai déjà fait mes planches, les briques, tout ce qu'ils nous demandent. Hein. J'ai pas attendu. Hein. Alors, du coup, est-ce qu'il y a la bouffe? Non, il n'y a pas la bouffe. Donc, il risque d'y avoir le up 101. 5 heures, je vais les voir, hein. Ça coûte rien. Chaque fois entre 5 heures, 6 heures, depuis que les heures ont changé, c'est vrai que des fois je m'embrouille un petit peu. Là, j'ai essayé de tondre avant d'arriver en live, tant bien que mal, mais la pelouse est tellement bien mouillée, tellement haute que j'ai galéré, j'ai vite laissé tomber. Je vais claquer mon petit live tout de suite. Café Club, en fait, live. Tout ce qu'on aime. Alors, construit sur le matériau. Ouais, je crois bien que là, c'est en cours. On va retirer l'arme. Let's go. Alors, j'ai même pas pris ma douche. Hein. Je suis arrivé du boulot. J'ai fait ce que j'avais à faire.
J'ai même pas pris la douche avant le live. Allez, c'est parti. Voilà, du coup, j'aurais pu le faire avec de l'équipe, mais je sais pas où ils en sont. Puis comme je suis en live, c'est pas. Sans rien qu'ils me fassent voir, et voilà où j'en suis. Ah, c'est bon, ils donnent du gros dès le début, ça c'est bien. Ça j'aime. Donc du coup je pense que peut-être qu'après bah, sur des gros lives, quand je ferai des gros lives, vous savez avant je mettais Twitch et YouTube en même temps, mais bon j'ai arrêté encore une fois à cause de la connexion. Donc je live spécialement sur Twitch et je rediffuse par après sur YouTube. Bah, là du coup quand ce sera des bons lives, des gros lives, je sais que que je préparerai au moins de la fibre. Hein. Du coup je risque de rebalancer sur les deux en même temps. Puisque là, normalement, j'aurai plus de problème de connexion, tout tournera bien. Il manque plus que ça en fait là. Bon, on va se faire les pierres. On va essayer après Louise, mais bon, j'ai essayé ce midi. Personne. J'ai cherché dans le camp, dans le canal camp, dans le canal monde, et pas de réponse. Donc du coup, ce midi, je l'ai pas fait. Je suis resté bredouille. Alors que j'arrive, la team l'a déjà fait, donc du coup, j'ai envie de dire, niqué. Alors si pendant un moment dans le live la caméra disparaît, c'est normal. C'est parce que c'est quand je fais des allers-retours. Voir ce qui me sert de chien, voir s'ils font pas de conneries. Ça m'évite de tout déplacer à chaque fois parce que derrière mon fond vert est juste derrière. Donc c'est un peu galère quoi. Et je suis obligé de les avoir à l'œil parce qu'il y a un petit. Et petit, tout le monde sait que ça bouffe tout. Donc je suis obligé de les avoir à l'œil. Bon, moi, je vous aurais fait le petit coucou d'entrée avec la cam. Hein, on va dire ça comme ça. 18, 19. Enfin, quand t'as un par un, on n'est pas couché. Hein. Quand on est 3, 4 à le faire encore, bon, ça va. Quand on est tout seul. C'est un petit peu long, j'ai envie de vous dire. Si je mets de la sonde sur mon clavier, ça va pas le faire. Allez, auto. C'est pas que je bug, hein, c'est qu'on entend, je parle à mes chiens. Vous l'entendez pas parce que je coupe le micro. Je préfère le dire parce qu'il y en a qui vont croire que je suis en train de bugger. Non, je ne bug pas. Redan. Ah, t'as eu la notification là, poteau. As-tu fait Louise, Dan? Sinon, bah, si tu l'as pas fait, n'hésite pas à me rejoindre si ça t'intéresse. Bon, on arrive pas loin de la fin. Yes, ok. Oui, j'ai fait. Ah, d'accord, ok. Je crois que tu l'avais pas fait. Bon, on va essayer de faire une demande dans le monde, c'est pas grave au pire. Ou peut-être que Dev est là, je sais pas. Allez, 30 ou pas? 28.
Et tout à l'heure, j'avais une connecte qui tournait à peu près à 3000. Et là, je tourne plus qu'à 2003. Ça descend comme ça, on ne sait pas pourquoi. Kilobits, vraiment pas énorme. Hein. Pourtant, je suis en 4G plus. Hein. Ok, donc du coup, terminé. What is good? Merci. Bon, on va tester. Hein. On va bien voir si ça meurt ou pas. Hein. J'ai envie de dire ça comme ça. On va parler à notre amie Louise. On va créer une équipe. Tac. Non. C'est pas ce que je voulais faire. Hop, hop. Dans le camp. On va déjà commencer à faire une petite demande dans le camp. On va voir si du monde vient. Excusez-moi. Si ça marche pas, on va tester un petit monde. Puis si ça marche pas, bon, on va faire demi-tour, hein, tout simplement. Bon, pas d'amis? Non. Allez, on recrute dans le monde. Donc, petite demande dans le monde. Mais à mon avis, petite crampe. Je pense. Manoir 10 pour moi. GG Dan. Ben moi, aujourd'hui, on va passer le manoir 9. Voilà. D'abord, il est marqué dans le live. Hein. Ok, c'est changement de niveau du manoir. Pour ceux qui me suivent, savent très bien que j'en suis au 8. Donc, bah là, bah 9. Hein. Bon, il y a beaucoup de monde qui arrive. Peut-être qu'il y en a bien un qui va vouloir. On va faire un petit recrutement dans le monde. Ah non, je peux pas encore. Eh mec, Kingdom, ça t'intéresse pas de faire un petit. Il me raconte sa vie. Ok, cool. Non, mais j'ai pas faim, merci. Bon, bah, je crois qu'on va repartir à Bredouille, j'ai envie de dire. Hein. Et ma qualité, je vais pas vous dire que c'est la patience, puisque ce n'est pas vrai. Bon. Alors. Bon bah je crois qu'on va laisser tomber. Hein. Je vais ça un peu plus tard et puis c'est tout. Hein. Il nous reste 2 heures. J'attends parce qu'il y a du monde qui arrive, on sait jamais. Eldar 27, peut-être que ça va l'intéresser. Bon. Bon, on va pas se casser la tête, hein, parce qu'à un moment donné, je vous dis, la patience, c'est pas mon feu. On va quitter, bim, voilà. On va passer directement à le pourquoi du live. Hein. Donc du coup, on va aller faire un petit tour au greffeur. Il y a un petit lac. Ouh, comme je vous ai dit, il y a des caisses. Et on peut 4 caisses à 4 emplacements différents. Alors j'ai jamais vu les 4 caisses en même temps, je vais pas vous mentir. J'en ai vu soit une maximum, j'en ai vu deux. Mais apparemment, il y en aurait 4. Et on pourrait trouver donc du polymère dedans, du tissu, enfin, ça varie. Donc, j'ai envie de dire, ça va faire au moins une fois par jour, si on compte trouver du bon matos, quoi. Tout ce qui est tissu polymère, tout ce qui sert, quoi, en gros. Tout ce qui est rare. Training, la plongée. On va peut-être se la faire. On va retirer le ticket. On ira peut-être. Ouais, mais attends, 7 minutes. 7 minutes, c'est un peu chaud de babe. J'ai même pas fait mes. Vous avez vu mes tirs. C'est la débandade. On va essayer d'y aller vite fait. En 7 minutes, on a peut-être le temps de faire un aller-retour. Le but étant pas de vous ouvrir des caisses, mais de vous faire voir l'emplacement. S'il y a une caisse, évidemment, on va l'ouvrir. Mais si on n'a pas, je vais pas rester là blindé, à glander. Mais je vais, pour ceux qui ne savent pas, parce que je pense que beaucoup de gens doivent le connaître, pour ceux qui ne le connaissent pas et qui me suivent, bah, du moins, vous aurez le petit emplacement en greffeur où aller chercher ce fameux petit lac, ces fameuses caisses. Donc, le petit lac. C'est celui-là. On n'est pas loin, on est bien.
Let's go. À mon avis, vous voyez lui là qui court là, il y va. Ah non, il va peut-être à l'avion, Marc. Je dis peut-être des conneries. Alors, vu l'heure qu'il est, en plus, les caisses ont dû être prises. Il doit y avoir du monde sur la map. Allez, 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 feignasse. Ne t'arrête pas. Ah oui, c'est vrai, il y a un endroit en plus où on peut pas passer, il faut faire le tour. Il y a un truc à la con comme ça. Je me suis déjà fait avoir. Je me suis déjà fait avoir et je retombe dans le même piège en fait. C'est bi, c'est bien. Bon, manoir neuf, qu'est-ce qu'on a de plus après? Je sais pas, je vais pas vous mentir, j'ai pas regardé. Je le fais au fur et à mesure, moi. Je vous ferai avoir quand même. Oui, parce qu'il y a quelque chose que j'ai remis dans la maison que vous n'avez pas vu puisque c'est d'hier. Donc, on essaiera vite fait de faire un petit tour à la maison avant de quitter. Donc, voilà l'emplacement. En gros, c'est ici. Donc, vous voyez, c'est partout où il y a des petites troupes de personnes. Là, il y a une petite troupe. En général, il y a un coffre. Voilà, il y en a pas. Mais en général, il y a un coffre. En face, il y a une troupe. En général, il y a un coffre aussi. Ensuite, alors moi, j'en ai déjà trouvé un en face là-bas. Un au bout du lac, hein, en face de nous, là où je regarde. Et un, j'en ai déjà trouvé aussi un ici, avec eux là. On va aller jeter un oeil quand même, hein. Enfin, si je me bloque pas. Là, vous voyez, il n'y a pas de coffre, il n'y a rien. On s'est pas fait gauler, tout va bien. Donc voilà un emplacement où il faut faire au moins une fois par jour. Donc là bah, c'est pareil, hein, il n'y en a pas, normalement il est là, là il n'y en a pas. Mais bon, vous ne fallait pas s'attendre à l'heure qu'il est, je vous dis, il y a beaucoup de monde qui doit être sur le, qui était sur le jeu. Là normalement elle est au pied des arbres, elle n'y est pas non plus. Et la dernière, comme je vous dis, je l'avais trouvée bah, là-bas aux arbres, où est-ce qu'il y a tout le monde là? Donc c'est con, on n'a même pas une à ouvrir du coup. Mais bon, ça m'étonne pas, comme je vous dis, vu l'heure, il y a beaucoup de monde qui doit jouer, il y a beaucoup de monde qui a dû passer avant. Et ça respawn tous les je ne sais combien de temps. Bon, au moins vous avez l'emplacement, hein. Le but est du temps de vous faire voir l'emplacement. Je vous ai prévenu au début parce que je m'attendais un petit peu à ce qu'il n'y ait pas de, bah, tout simplement pas de caisse quoi. Ce qu'on va faire, on va retourner à l'hélico. On va aller voir si on peut laisser faire cette petite partie de plongée, hein, puisque je l'ai jamais fait en live, hein, et puis je sais pas si si tout le monde l'a déjà fait, donc du coup bon, on va se faire un petit plongée, et après on ira au haut plateau enneigé. Il va falloir que je re-regarde sur mon Discord ce que les potos m'ont mis pour la carte, parce que je vais pas vous mentir, je connais pas les emplacements par cœur. Là on va se kick-asser d'ici, vite fait bien fait. Donc là, je voulais dire, je vais être calme dans les lives jusqu'au 28. Arrive au 28, on va tester ça direct. Y'a rien, ça me va. Marc, j'aurais pu prendre quelque chose. Hein. C'est vrai que j'aurais même pu aller au Strangle acheter. Mais bon, le live n'était pas pour ça. Ça, je me le garde pour dans mon lit le soir, avec mon téléphone, quand je sors de l'ordinateur. Ou avec la tablette, ça dépend. Hein. Des fois, je joue aussi avec la tablette. Donc on va aller attendre à l'histoire de la plongée là. Donc alors par contre j'ai pris du retard énormément sur le combat. Je sais pas pourquoi. Pourtant ça combat tout le temps. En tout cas, voilà. Les 3,42, je les ai. La prochaine. C'est de passer au manoir 9, ce qu'on va faire tout à l'heure. Et la 5. Ah, elle me demande de craft. J'ai envie de dire, ça va. C'est pas trop compliqué de craft. Si, étant bien, si j'ai le matos, parce que bon, c'est pas dit que j'ai le matos. Alors, la plongée, dans une minute, allez, on va retirer le cube et on va y aller de suite. Alors, c'est pareil, hein, je galère à la plongée. Autant vous dire, j'étais au coffre, il y a une heure, il n'y avait rien non plus. Ah bah, tu vois, Dan. Non mais là en plein après-midi comme ça faut pas s'affoler, c'est normal hein.
Et le nombre de personnes qui doivent y passer. Donc on va louer la petite bouteille qui va bien. Je vais plonger tout de suite pour le mettre en route. Voilà, comme ça, il n'y a pas de surprise. Alors vous allez voir, je galère. Mais bon, on va se le tenter quand même. Histoire de dire qu'on est en live, on se le tente. Bon, pour l'instant, la connecte, ça va. On est remonté presque à 3000. Je contrôle tous les écrans, voir si tout va bien. Là. Du côté, si j'ai le chat, là en face, bah, j'ai le jeu. Et là, j'ai tout ce qui est connexion, mon logiciel de stream et tout ce qui s'ensuit, quoi. Bon, allez, on arrête de babacher. On s'apprête. Alors en général, ce que je fais, je pars direct à droite. Je plonge, je pars à droite. Là, je m'échauffe pour pas faire de claquage, hein. On va dire ça comme ça. Je vais pas me faire un petit claquage ou une petite crampe. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Allez, poussez-vous, poussez-vous, poussez-vous. Moi, je vais d'abord chercher à plus loin. Les autres, je ne les calcule pas pour le moment. Pousse-toi, mec, ralentis pas, ne perds pas de temps. Mêlée, 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 mêlée. Hop là, appareil photo. Allez, hop, hop, c'est bon. Ping, ping. On skie, on se casse. Allez, allez, accélère. Si tu commences à me faire des trucs comme ça va pas le faire, mon pote. Ah, là, j'ai déchiré. J'aurais peut-être dû reprendre l'autre avant, là-haut. J'ai déchiré. Je me suis ouais, c'est pas grave, sans ça. Hein. J'aime pas trop, je vais pas vous mentir que ce truc-là, sans j'aime pas trop. Là, on y arrive. Il doit pas être loin, il doit pas être loin, il doit pas être loin, ce monsieur. Il est là, il est derrière. Il s'est caché juste derrière l'enflure. Appareil photo. Bib. Ok. On repart. Vous avez vu, moi je les ai fait complètement dans le désordre. Normalement je le fais pas comme ça, mais là peut-être le fait du live, je les fais complètement dans le désordre dans n'importe quoi, n'importe nawak. Bon, c'est lequel là, le guignol là qu'il faut prendre en photo? Il est où? Ça a marché? Vas-y, lâche-moi. Allez, 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 on a quoi là? On a combien de temps? Je sais même pas. 1 minute 50. Oh, je suis dans la merde. On va rester sur celui-là, c'est le plus près ou le plus loin, j'en sais rien. Il est où, il est où, il est où, il est où? Appareil photo. Hop, hop. Il est pris. Surtout, faut bien attendre qu'il y ait le carré vert, sinon on est niqué. Bon, voilà, ils sont complètement éloignés. On va commencer par celui-là. Ouais, là, j'ai déchiré. Ça fait combien de temps là? 2 minutes. J'ai niqué le bénef. Normalement, je mets 2 minutes 30 max. Là, j'ai niqué le bénef. Arrête-toi, mon pote. Hop, appareil photo. Dézoome vers le bas. Allez, où elle? Allez, hop. Allez, on se casse. C'est pas par là, c'est par là. Minutes 50. Oh la catastrophe. Où t'es de la cata? Ça doit être lui. Voilà. Bon bah. Hein. C'était pas bien. Hein. Raid. Ah tiens, on a un raid. C'est pas grave. Le but était étant de le faire. On l'a fait. Un peu une catastrophe. Bon, du coup, alors concrètement, qu'est-ce que j'ai? Bon, là, on va pas pour. Ouais, j'ai beaucoup de caca, non, c'est pas grave. Alors, attendez, ce que je vais faire, je vais prendre. Regardez, vous allez voir passer, hop, hop. Voilà. Celle-là, je vais la mettre ici, je vais la rétrécir. Voilà. Comme ça, ici, je vais ouvrir
mon Discord. Alors, c'était ouf. Ok, bon, on va aller faire un petit tour au plateau. Je vais tenter de vous montrer, comme je vous ai dit, des coffres. Alors, au plateau enneigé, let's go. Ah, attendez, je vais juste retirer pour l'instant, provisoirement, la cam. Voilà, ne bougez pas. Une mauvaise langue, ils dorment. Plutôt rare, mais ils dorment. Du mal à le croire, mais pourtant, c'est bien vrai. On va peut-être un petit fond qui a changé. Non, ça va. Bon, du coup, on vient pas là. Alors, je vais peut-être. Non, je vais même pas mettre l'émission. Je le ferai tout à l'heure. Alors, on est où? On est là. Donc, normalement, j'écoute bien la team. On devrait en avoir un par là. Donc, pas loin, juste à côté d'ailleurs. Alors, repérez bien les endroits. Hein. Normalement. Attends, on va peut-être changer parce que normalement c'est pareil, il y a un gros, il y a une arme, mais il y a un coffre, mais il y a un gros. On va chercher. Ah, ce serait peut-être là. Il y a beaucoup de monde. Invite. Pas de problème. Ah oui, pas bête Dan, pas bête. Il y a Dan qui connaît bien l'endroit et du coup on va l'inviter. Créer une équipe. Ok. Bim, et on va inviter Dan. On va faire gaffe parce que si lui il prend. Parce que pour moi c'est par là. On va bien le surveiller, lui, qu'il nous la fasse pas l'envers. Ah, il y a du monde qui attend par là, hein, c'est pas bon. Donc je pense qu'on est au bon emplacement. Alors Dan, il est arrivé déjà. Mais bon, arrête-moi Dan si je me trompe, mais je crois que c'est là, hein. On va attendre le poteau, il arrive. Vous voyez sur le point vert sur la map? Là, par là, il arrive de par là. À mon avis, s'ils attendent, ça va être pour ça, hein. Je pense qu'on est bien au bon emplacement. Oups, il m'a vu. Oh, la tempête arrive. Et merde. Crody. Toujours pas de coffre. Ok, cool. Oh, je suis là-haut. Je sais pas comment il faut pour me toucher, mais bon, c'est pas grave. Ah, il est là le coffre, regardez. Ils vont le prendre, regardez, il est là. Ils prennent, allez, gas. Il était juste là le coffre, voilà. Bon, vous avez l'emplacement du coup. Heureusement qu'on les a surveillés. Oh, t'es pas chié toi, j'étais là avant toi. Donc, bah, voilà du coup le premier emplacement du coffre. Hein, sans... Je savais que j'étais pas loin. Mais bon, bah voilà, comme je vous dis, il y a tout le temps du monde. Donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre Dan. Dan, si tu m'entends, rejoins-moi à la maison. On va se mettre à l'abri. Et je te suivrai pour qu'on aille au deuxième, ce sera plus simple. Que là, on va être lavé par la tempête, ça sert à rien. On va prendre un peu de bois si jamais dans la maison il n'y a pas de bois. Voilà. On va se mettre à l'abri.
Bon, il y a un petit feu apparemment, déjà, on est bien. Bon, on va obligé d'attendre du coup, hein. Dan, je pense qu'il va rentrer. Bah, il est là. Nickel. Bon, on va attendre que la tempête passe et du coup, bon, on va suivre Dan parce que Dan connaît mieux l'emplacement, il le fait tous les jours, moi non, hein, je vais pas mentir. Quand j'ai déjà du mal à finir toutes les quêtes. Mais là, je suis en train d'économiser, c'est pour ça aussi que j'avance pas trop. Regardez, vous avez vu, j'économise tous mes lingots. J'évite de les craquer tout de suite. Pareil, hein, les items, on les fait toujours. Hein. Et là où je vous dis, j'ai du retard énorme. C'est bah là, on va regarder les aptitudes. Voilà. 43, pas trop mal. 45, alors là tout de suite on monte un peu. Et là, 42. Le combat est un peu dans les choux. Pourtant, je le fais bien évoluer. Mais dans les choux. Et je combats beaucoup, évidemment, puisque je fais mes missions. Hein. Le perroquet est en forme. Et une fois qu'on aura fait ces coffres. Donc normalement ici, il y en a, si je ne me trompe pas, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il devrait y en avoir 5 sur cette map. Et 4 là où on a vu tout à l'heure Agrefeur. Après, est-ce qu'il y en a d'autres dans les autres? Je sais pas. Moi, je vous dis ce que je sais. On va dire ça comme ça. Hein. Bon, pour l'instant, on va pas se plaindre. La connecte, elle tient. Pour le moment, ça le va. On est quand même avec la tempête là. Ouais, encore en plein dedans. Je sais pas combien de temps concrètement, je sais pas si vous êtes déjà amusé à compter le temps que duraient les tempêtes. Je me suis jamais vraiment amusé à regarder, ça durait 2 minutes, 3 minutes, 1 minute. Si jamais un d'entre vous a déjà fait l'expérience, n'hésitez pas à me le marquer. Je dirais 2 minutes, non peut-être plus que 2 minutes, peut-être 3 minutes, peut-être 3 minutes. Je sais pas. À voir, à tester. Ouais Dan, on décolle. La tempête va se finir. On va attendre voir. Allez Dan, je te suis. Il y a des bugs, vous avez vu les. Encore des problèmes de connect ça. Donc du coup on va suivre Dan. Je pense que j'ai tourné. Ah. Oudi, vous avez vu l'accélération? Y a le perroquet qui se fout de moi. Qui se fout de moi. Donc je pense que là on va essayer d'aller au deuxième coffre. Coucou Venin. Salut Mitty, comment vas-tu? Plaisir de te voir. Tiens, Mitty, le 28 de ce mois-là, je passe à la fibre. Ah, ça va, sinon, moi, ça va. Bah, par les problèmes, toujours comme toi, hein, les problèmes de connect en ce moment, c'est pour ça que je live pas beaucoup d'ailleurs. Parce que ça c'est ras-le-bol d'avoir toujours des coupures, des coupures. Là, le deuxième coffre ou c'est toujours le premier là? Non, c'est le deuxième. Bien vu, Dan. Là, le deuxième coffre, les poteaux. Et comment Dan, il connaît bien la route. Je vais passer bientôt, normalement. J'y passe bientôt. Bah moi j'y passe là le 28. Ils viennent là à la maison le 28. Alors qu'est-ce qu'on a? Bon bah là vous avez vu on n'a pas de polymère, on n'a pas de. Mais bon, on a eu un des coffres. Moi ils viennent le 28. Donc du coup bah, à partir du 28 j'aurai la fibre. Donc plus de problème de connexion. Je vais pouvoir live quand je veux. Enfin, là je suis toujours en train d'apprendre que ma 4G coupe. Puis bah je me limite aussi parce que du coup plus tu pousses en qualité plus. Il te faut du débit, moi j'ai débit, donc c'est pour ça que je tourne bien souvent 720, parce que je pourrais monter beaucoup plus haut.
C'est cool, Mitty, merci. Waps, waps, j'ai sauté, je me suis fait avoir. Ah oui, c'est bon. Je crois que j'avais sauté pour rien. Ah ouais, depuis que bah, j'ai affaire, je sais pas, plus de 10 ans que je suis dans cette maison, j'ai toujours eu 1 méga en débit. Là, je me débrouille à streamer avec le 4G, mais j'ai toujours eu que du 1 méga. Donc là, passer à 200 mégas, la vivance. Ah, c'est là, il y a le gros. Attends, Dan, n'use pas tes armes pour moi. Bon. Je dis à Dan, n'use pas tes armes. Donc, voilà le troisième, les gens. Troisième coffre. Mémorisez bien les places si vous les connaissez pas. Bim. Donc là, on a eu un là, on en a eu un là, et on en a eu un là-haut. Allez, on l'ouvre. Avant qu'une quelqu'un vienne, pique-nous le barbe. Bon. Pas de polymère non plus, les gens. J'ai envie de vous dire, on s'est bien fait enfler. Vous avez vu la bonne team qu'on a? On a même un guide personnalisé. Eldan, il connaît bien cette map. Hein. Passy aussi, du coup. Dev, apparemment, le fait pas mal fumer aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre. Hop, 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 Dan, je suis béton, ouais, attends-moi, mec. Ouh là là, toi, pas trop vite, ouh là là, attends-moi. Ouais, mais je sais pourquoi il court plus vite, voilà, j'ai pas mis ma petite hache. N'oubliez pas, hein, si vous voulez courir plus vite, faut retirer les armes. Pour ceux qui savent pas, hein, ceux qui sont pas au courant, LOL, trop tard. C'est le jeu, ma pauvre Lulu, c'est le jeu. Ah oui, celui-là, je le connais bien en plus. Ah, normalement, effectivement, il est là, normalement. Quelque chose d'origine est trouvé à Greffer. Donc normalement, regardez l'emplacement, il y en a un ici. Ok Dan, c'est bon. Donc ça fait 4, il doit nous en manquer un du coup. C'est bon Dan, on va pas attendre qu'il apparaisse, c'est pas grave, on a l'emplacement. Les coffres pop toutes les 4 minutes et les boss toutes les 12 minutes. Ok, pas si. Pas si. Mitty, merci. Vous avez vu ce que Mitty nous a marqué. Les coffres hip-hop toutes les 4 minutes et les boss qui couvrent donc ces coffres toutes les 12 minutes. Ça fait à peu près 4, 8, 8 et 8, 16. Ouais, 3 coffres et demi pour. Connais-tu tous les emplacements, Mitty, toi? Tu les connais tous? Oui. On le savait. C'est Dan qui charrie entre deux. Mes cartes d'exploitation sont complètes aussi. Ah, moi non, moi non. Si je te les fais voir, d'abord tu vas rigoler. Alors que j'ai envie de dire, normalement, c'est pas excusable parce que sur mon Discord, j'ai Passy, puis pas que Passy, mais beaucoup Passy, qui nous a mis justement les emplacements de ces coffres. Je pourrais reprendre. Mais bon, c'est pas ce que je trouve. Alors qu'on se fait de la thune aussi, hein, c'est con, hein, mais prioritaire quoi. Mais il faut que j'y. Ah! Faut que je pense à le faire, sérieusement, faut que je pense à le faire. J'ai dû. Je crois que j'en ai que un ou deux où sont complètes. Les autres sont pas complètes. Désolé Dan, je me suis fait bouffer le cou entre deux. Je te fais voir t'as mes cartes d'exploitation. Ma team va me charrier d'ailleurs, puisqu'ils savent qu'on a les screens. Donc je vais me faire charrier, mais bon, c'est pas grave. J'assume. Donc je pense que bah voilà, il doit être là, hein, là où à mon avis la fille attend aussi.
Ok, donc on ouvre la map. C'est bien cet emplacement-là. On est bien au bon emplacement. Donc du coup, bon bah il doit se pencher, je pense, spawn en face. Je l'ai déjà fait avec Dan, mais bon, qu'une fois réellement, tous les 5. Donc du coup, je vais pas vous mentir que je me rappelle pas de tout, je me sers du screen, et puis bah là du coup de Dan qui m'emmène. Mais donc voilà, on est à l'emplacement. Ouvrir, regardez, bim, allez hop là, on tombe dessus tout pile poil. J'ai eu le temps de faire ouvrir, l'autre il doit être dégoûté là. Il était à côté, à mon avis, je pense qu'il attendait aussi. Bon, on n'a pas de polymère, toujours le pas. Mais du coup, vous avez vu quand même les 5 emplacements des coffres. On va regarder les cartes. Attends. Puisque j'ai envie de me faire charrier. Donc voilà. Les seules qui est complète, c'est la forêt d'automne. Et l'espoir 101. Sinon, tu regardes bien. Hein, le plateau enneigé, c'est loin d'être complète. Est-ce loin? J'en parle pas. Le mont enneigé, j'en ai trouvé pas mal, mais c'est pas fini. Là, j'en ai que deux, je crois. Non, trois. Miska, aucune. Carolienne, aucune, évidemment. Greffeur, j'en ai que deux, alors que... Bah, voilà, hein. Voilà, en gros. Un peu zéro, je sais. LOL, bah à l'heure, venin. Ah, écoute, je vais m'y remettre, hein. Mais en fait, au début, le temps de prendre le temps sur les quêtes, tu prends tellement comme temps dans le jeu que t'as pas le temps pour ça, en fait. Là maintenant, le temps c'est vrai qu'il est divisé par deux parce que évidemment, on prend une certaine habitude, on va dire. Et du coup, ça va beaucoup plus vite les quêtes. Déjà, quand on peut faire les quêtes automatiques comme la forêt et le greffeur, on peut faire maintenant. Au début, on peut pas le faire, donc on est obligé de tout faire. Donc ça prend au début énormément de temps. Et même maintenant, hein, je mets bien 2 heures, 3 heures, voire à tout pouvoir faire, c'est-à-dire les items, mes missions. Mais moi j'ai toujours des petits oublis, j'ai toujours la petite team qui est là, bah non, t'as pas fait ça, bah non, bah non, bah étant donné les potos, je compte sur vous aussi, hein. Vous me faites voir, moi j'ai le bon plan en fait. Ils me font voir, moi je leur ferai voir après en live. C'est un bon compromis, hein. Après je dis ça, je dis rien, hein. Merci Dan pour le petit coup de main, c'est cool. Ça m'a évité de galérer pendant 2 heures à chercher et à tourner en rond. Hop, je repasse mon image par là. J'ai un décalage avec le live. Oui, je sais, Dan, c'est normal. T'es obligé toujours d'avoir un décalage, t'inquiète. C'est pour ça que quand je te disais quelque chose, je sautais après ou... Mais je sais, t'inquiète, c'est normal. Du coup, bon bah voilà, je vous ai fait voir les coffres. Ce qu'on va se faire tout simplement. Et ben on va aller à la maison. Hein. On est à combien de temps de live là? On a 49, 43 quarts d'heure. On est bien. On va aller à la maison. Et on va passer le manoir 9. Tu en es où pour les levels? C'est ça que tu veux savoir, les aptitudes? Ou le level du manoir? Parce que là, en fait, je suis au manoir level 8. Et là, justement, je rentre à la base pour pouvoir passer. C'est bon, j'ai ma réponse. Ah, ok. Attends, t'as ta réponse. Donc, tu l'as vu ou ta réponse? Dis-moi tout. Dis-moi tout, Mitty. Level. Ouais, je pense que ça devait être ça. Les niveaux, je pense que ça devait être ça. Donc 43, 45, 42, si c'était ce que tu cherchais, enfin je pense. Du coup, je voulais, oui, tout à l'heure, je vous ai pas fait voir ce que j'avais rajouté. On a parlé tard dans le live, au début du live. Ah oui, il faut être minimum 42. Ouais, d'accord, ok, Mitty. Bon, en fait, je vais pas te mentir que c'est que depuis ce matin. J'ai fait Greffeur et puis j'ai fait la forêt d'automne. Et du coup, c'était accessible. Et comme hier, je savais que ça allait pas tarder, j'avais déjà fait mes planches, enfin, tout ce qu'il fallait bien. Donc du coup, bah, pour ceux qui n'avaient pas encore vu la maison, hein, elle n'est pas encore finie, parce que vous avez vu là-haut, c'est encore du level 3. Mais ça avance bien. Oui, ce que je voulais vous faire voir, donc du coup, c'était pas en bas, parce que le bas, tout le monde le connaît, c'était là-haut. Alors d'ailleurs, on ne l'a pas encore entendu. C'est plutôt bizarre.
que j'ai l'entendu tout à l'heure. Donc ici, ça n'a pas beaucoup changé, hein. J'ai juste remis les coffres adéquates. Et en fait, c'est ici, voilà. On a Coco qui parle, hein. Bon, là, je vais pas le faire parler parce qu'en fait, avec les potoyeurs, on a délié. Et on y a appris des conneries parce qu'on peut faire des enregistrements. Puis après, quand quelqu'un rentre ou il dit ce qu'on a dit. Donc ça va là, il l'a pas dit. Salut Passy. Donc on va éviter de le faire parler parce qu'on a enregistré des conneries. Hein. On a délié avec les potos, avec la team. Donc voilà, bah, c'était le perroquet. Hein, avec bah là, ce qui va bien, quoi. Il y a le range CD. Il y a la petite table là. Il y a le sorte de canapé là aussi. Où on peut très bien dormir ou s'asseoir, se régénérer en s'asseyant. Pareil, il y avait deux petites chaises normalement. Que j'ai pas pu mettre parce que du coup bah, le manoir est pas assez évolué. Mais ça va être réglé ce soir puisqu'on change de manoir. Les deux chaises, ils sont où d'ailleurs? Ah oui, je les ai rangées. Parce que je les avais sur mon sac à dos, c'est vrai. Je les ai rangées. Je ne sais plus où, mais je les ai rangées. Et puis bah ici, rien n'a changé. Hein. Oui, à part que j'ai eu un poteau, bon bah là, du coup, ils ont crevé. Parce qu'au bout d'un moment, bah, ça finit par mourir. J'avais des. Bah, le poisson que vous voyez. Et puis j'avais aussi des méduses. Des méduses, oui, aussi des étoiles de mer, des méduses, j'ai eu aussi. Ah, affamé, là c'est de ma faute. Oh, bah tout a été mort affamé. Là tout est mort par ma faute. Et c'est mon poteau qui nous a mis dans le dans l'aquarium. Mais je vais pas mentir, je n'y pense pas, Dave. Désolé. Ah ouais, puis il y a mon poteau aussi, vous avez vu, Dave, qui m'a mis une horloge. Alors du coup, il l'a mis là au début, mais je l'ai rechangé de place. Je l'ai mis là. Cadeau du poteau. Bon allez, on descend, on va faire ce qui nous intéresse. Voilà, nous y sommes. On la connecte, elle nous descend. On est arrivé à 1900 là. T'as rentré à 3000. Hein. Putain de connecte de nain. Pauvre bête. Appelez la SPA. Ou la fourrière. Ou la fourrière. Comment ça s'appelle? Brigitte Bardot. Voilà, ça que je cherchais. Bon, bah voilà. Donc, niveau 8. Nous allons passer maintenant. Ah, j'ai tout. Je vous ai dit, hein, j'ai tout craft. Hein. J'ai tout préparé avant. 43, 45, 42. On a tous les levels qu'il faut, hein, Mitty. Eh, venin, tu vas bien? Salut, Chakra, ça va et toi? Bah, j'ai un petit peu la voix qui. qui s'en va un petit peu en sucette. Mais ça va, nickel. Petite journée de gratin. Comme je disais en début de live, j'ai voulu tourner ma pelouse tout à l'heure. J'ai commencé, mais c'était trempé, trop haut. Ça m'a vite gavé, j'ai vite arrêté. J'ai fait à peine la moitié du jardin. J'ai fait la feignasse. Et je suis venu faire mon live. Voilà, tout simplement. Et là, j'étais venu le live pour bah, faire voir les coffres où on peut trouver les vêtements polymères et tout ce qui s'ensuit. Mais aussi pour passer mon niveau de manoir. Voilà. Et toi, sinon, chakra, comment ça va? La patate, la forme? On va pas dire le dernier parce qu'on est en live. Allez, la baisse. Soyons fous. Hello mon dev. Salut mon poteau, comment vas-tu? Il y a la team qui arrive, ça fait zizir. Bon, du coup, on se l'améliore ou quoi ce manoir? Coucou dev. Hello tout le monde. Allez, améliorez. Bingo. Donc du coup, vous le savez tous, je suis le manoir level 9. Ça fait zizir. Et voilà, réalisation terminée. C'est Mitty, oui, c'est Mitty Dev. Succès. Formule avancée, tuyau d'acier, fourrure de bête, utilisé pour effroquer les augmentations. Ok. Nouveau drone, nouvelle apparence, manoir. Et ben voilà. Alors moi je fais pas parce que sur PC ça merde. Oh. Eh, ça a changé les barrières. Ça claque, hein. Je pensais que c'était un truc qu'on mettait en plus, ça en fait. Que les gens achetaient et que. Alors attends, sur l'atelier, attends, qu'est-ce qu'ils disent? Faire niveau renfort de l'atelier, ils peuvent produire renforcement du construction du niveau 5. On va juste jeter un oeil ce qu'ils appellent la construction de level 5, ce que ça demande. Vous avez entendu? On a entendu le.
Bah c'était le perroquet. Enfin, le perroquet du jeu, hein, pas le perroquet le mien. Je précise. Tranquille, petit pack opening ce matin grâce à ma petite femme. Débloquer plusieurs armes et skins, y compris le lance-grenade. Tu l'as débloqué dans quoi Salut Célia! Sans discrétion, chakakra. T'as été dans quoi pour le débloquer ça? Dans des packs? Ouais, bon, c'est pareil. Je vais vous dire ce que là. Hello, dernier. Je vais le dire, normalement, je devais pas le dire. Hein, parce que c'est une merde qui m'est arrivée à moi. Mais je préfère le dire parce que ça peut vous arriver. Si jamais. Hier, je me suis fait niquer, en fait. Je vais être honnête avec vous. Mais je me suis bien fait niquer. Le monde arrive parce qu'il mis dans le chat jeu. Ah, c'est pas bête. Je sais pas qui c'est qu'il a mis dans le chat jeu, mais merci, ça va être Dan encore, ça y est, foutu le bordel. Ouais, ce que je voulais dire en fait, c'est que je voulais mon perroquet. Vous avez vu, je vous l'ai fait voir. Et donc tout le monde sait que pour l'avoir, c'est un pack qu'on achète. Et le pack, j'avais pas de. Je sais plus comment on appelle ça, on va regarder ensemble. J'avais pas de. Les petits soleils là. J'avais pas de crédit, voilà, tout simplement. J'en avais pas. Donc du coup, j'ai voulu recharger pour prendre des packs. Enfin, pour prendre des pièces. Et du coup, ce que j'ai fait, j'avais regardé ce qu'il me fallait comment dire, en pièces. Il m'en fallait 1700 pour mon pack. Donc j'ai cliqué dessus. Je l'ai validé. Bon, là, je vais pas le faire. Je l'ai validé. Et au moment qu'il a validé, il a cherché. Et ça a planté. Donc je suis revenu en arrière. Et du coup, j'ai recliqué dessus. Et il me marquait une phrase en anglais qui me disait qu'en gros, il n'y a pas d'item. Putain, comme par hasard, ça fonctionne pas. Donc du coup, qu'est-ce que je me suis dit? Bon, bah, ça faisait 31 balles. On va faire 2 x 15 ici, si ça fonctionne. Et puis, bah, c'est réglé. Donc du coup, j'ai fait les 2 x 15. Ça a fonctionné. À part que le lendemain, donc aujourd'hui, je me suis retrouvé avec ça. Et quand j'étais voir sur mon compte en banque, eh ben ils l'ont débité. Là où je croyais que ça avait buggé, ça n'avait pas buggé. Alors méfiez-vous. Si jamais il y en a qui le font et que vous voyez que ça fait comme si ça n'avait pas marché, leur faites pas. Parce que le lendemain, c'est bien crédité. Vous faites pas baiser. Moi, je me suis fait niquer. Après, je dis ça, je dis rien. Donc voilà pourquoi bah, j'ai pu m'acheter mon oiseau et qu'il me reste 2180. Donc je ne sais pas quoi prendre. Et comme Chakrakra disait que justement il avait pris des packs, et bah, c'est pour ça que je venais au renseignement. Voilà. C'est pas moi qui ai mis en live, non. Ok, poteau. Pas de soucis et free to play. Bah non, mais là j'étais. Je le voulais le perroquet. Là je le voulais. Donc je savais que j'allais mettre. Mais je me suis quand même bien fait niquer. J'ai envie de te dire. C'était pas pour des armes. C'était vraiment pour le perroquet. Mais je me suis fait niquer. Bah c'est le jeu, hein, en même temps. On gagne pas tous les coups. Hein. Alors attends. Tout va bien. On fait. Non, pas si. Quoi? Prends les cartes. Good moi. Google moi. Prends les cartes Google Moi. Google Moi, c'est quoi ça, les cartes Google Moi? Au début, je voulais me payer une tenue. Ce que je trouve, c'est pareil, c'est fashion. Et ça ne fait pas avancer, c'est des skins plus mythiques dans le jeu. C'est le jeu, ma pauvre Lulu. Ouais, mais enfin là, je me suis quand même bien fait niquer, hein. J'ai envie de dire. LOL. Bon, vous me direz ce que c'est que votre carte Google Moi là. On va regarder. Il n'y a pas de Google Moi, on est bien d'accord. Ou alors c'est vous qui êtes Google. Fédération. C'est pas ça la carte Google Moi. Google Play, lol. Enfin, pour le moment, on va les économiser. Ah, on a Chakra qui est là-bas, regardez, on va y faire un petit coucou. Wow, on fait péter la baraque, arrête tes conneries, wow, wow! Elle m'a pété la baraque. Et voilà.
Donc bah voilà, du coup bah voilà, on aura fait le petit live, j'ai de la chance, la connect a pas lâché. Elle est remontée à 2004. C'est un vrai yo-yo. Maintenant un peu coupé, je m'en fous, on arrive à la fin du live. Et puis bah comme je vous dis, dans peut-être un live ou deux, peut-être avant le 20, avant le 28. Mais à partir du 28, ce sera ficelé. Eh bien écoutez, j'espère à tous que ce petit live aura pu aider certains pour ceux qui ne connaissent pas les caisses. Et puis bah je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Et puis bah je vais vous dire tout simplement bah bye bye et à bientôt les potos. Merci pour ton abonnement, c'est cool. J'ai pas vu ton prénom, Célia. Ah bah oui, en plus elle est chez nous, Célia. Merci Célia, c'est cool. Allez, bonne soirée les potos. Et puis bah à bientôt. Merci.